C'est assez quand même étonnant, vous l'avez entendu. Gérald Darmanin, il ne parle que de manifestations de joie et de fêtes. Il est mignon. Il est très mignon dans sa politique de bisous, bisous. Tout le monde est heureux. Tout le monde va festoyer. On va assister à des scènes de liesse et une atmosphère bon enfant. Alors que tout le monde, franchement, a vu les images, quoi. On a vu des policiers harcelés, se faire tirer dessus au mortier, des scènes quasiment de guérilla urbaine dans certaines villes. Il y a des policiers qui ont été blessés. S'il y avait un seul policier qui était blessé, normalement, ça aurait dû dissuader leur ministre, le ministre de l'Intérieur, de tenir un tel discours. Pas un mot sur les policiers blessés. Il y en a eu, je crois, une trentaine de policiers blessés, plus ou moins gravement. C'est grave de dire ça. Pourquoi un tel déni ? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il ne voit pas les images. Pourquoi une telle dissonance cognitive? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le fait qu'on se retrouve depuis 3 jours à évoquer ce qui peut se passer après un match avec le Maroc prouve à quel point ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire les considérations populationnelles et démographiques, sont importantes. Alors, on s'en viendra tout à l'heure. On va y venir. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le discours de Gérald Darmanin, François Calfon, quand même, qui nous dit c'est des manifestations de joie. On est là pour encadrer les manifestations de joie. On sait bien que ce n'est pas la vérité. Bon, moi, je ne suis pas la vérité. Non, j'ai dit qu'il il a une vision bisous de la réalité. Mais évidemment que c'est un match à risque, j'ai déjà dit hier. Regardez les images, là. Regardez les images. On les voit, les images, pendant que vous parlez. Est-ce que je peux vous poser une question? Allez-y. On va parler calmement. Gérald Darmanin nous dit qu'il ne s'est rien passé, d'accord ? Qu'il y a eu 3 vitrines cassées, je crois 2 scooters brûlés sur toute la France. Il y a 40 policiers blessés. Moi, je suis prêt à le croire là-dessus. Mais dans ce cas-là, pourquoi il met 10 000 policiers ce soir ? Mais parce qu'il y a potentiellement un risque, c'est une prévention. C'est une prévention. Mais non, mais juste. Mais attendez, c'est pas pareil, parce que c'est les auteurs. Mais moi, quand on attaque les forces de l'ordre, qu'on soit d'extrême droite, qu'on soit un voyou de banlieue, on attaque les forces de l'ordre. Alors, je vais vous répondre. C'est pas sélectif. L'ordre public, c'est pour tout le monde. Il y a quand même une différence, c'est que les épisodes dont vous parliez... Mais qui étaient réels. C'était réel et c'était violent. C'est documenté, hein, franchement. Mais il y avait des considérations exclusivement sportives. Ah, c'est pas vrai. Le club de Boulogne, c'était les militants d'extrême droite. Non, mais c'était des considérations sportives. C'est-à-dire que quand une équipe gagnait, on allait donner des points. Après chaque match, je peux vous le dire, parce que vous n'y alliez pas au match. On n'a jamais eu... Après chaque match, la tradition, c'était d'aller taper les flics. On a compris ce que vous vouliez dire. Maintenant, vous me laissez répondre. Sauf que c'est pas vrai, c'est tout. Ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qui n'existait pas il y a 30 ou 40 ans, c'est que nous avons des considérations alter-identitaires. Mais on a bien compris. Il y a 30 ou 40 ans, il n'y avait pas 99,9% de drapeaux étrangers sur les Champs-Élysées avec très peu de drapeaux français. On verra c'est des considérations qui sont à la fois identitaires et pas seulement sécuritaires et sportives. Non. C'était l'extrême droite. Mais quand il y a beaucoup de monde, le problème, il n'est pas seulement de mettre 10 000 policiers, parce que si c'est pour mettre 10 000 policiers et leur donner l'instruction de rester l'arme au pied, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'ils auront les mêmes instructions que ceux qu'ils ont eus tout au début des Gilets jaunes, quand il y avait les blindés autour de l'Arc de Triomphe avec des ordres pour tirer des LBD? Non, mais ils ne le feront pas. Pourquoi? Parce que ce qui vont défiler, ceux qui vont défiler, ce sont vos vaches sacrées. C'est des vaches sacrées intouchables, c'est la diversité. Si jamais il y a un seul membre de la diversité qui est blessé, vous craignez que des cités entières s'embrasent. Donc ça vous tétanise. Vous êtes tétanisé par les étrangers, les immigrés. Si ça avait été des Français avec des drapeaux français, là, ils auraient eu carte blanche pour les cartonner. Voilà, là, Monsieur Messia, vous êtes en plein délire. Répond parce qu'il est interpellé. Arrêtez de me montrer du doigt, déjà, point numéro 1. Pas du doigt, je sais pas politique, c'est pas pareil. Je ne sais pas de qui vous parliez, si c'était peut-être les 700 000 franco-marocains qui, en France, a considéré qu'ils soient tous casseurs, tous sauteurs. J'ai tous pas dit ça, merde. Ce qui ne sont pas. On écoute Louis Marguerite. C'est une soirée à risque. C'est une soirée à risque. Voilà. Mais c'est ça qu'on voulait entendre. Je l'ai dit. Non, mais oui. Je vous demande pourquoi Gérald Darmanin l'a pas dit. Mais laissez-moi terminer. Comme un 31 décembre, comme l'ont été les journées de Gilets jaunes. Et donc on l'encadre pour permettre aux gens d'être manifestés. Ils se trouvent leur joie parce qu'il y en aura qui manifestent leur joie. Des Français, des Marocains, des Français. Est-ce que vous vous rappelez de ce que disait Gérald Darmanin et de ce que disait le gouvernement au moment des Gilets jaunes? Vous vous rappelez des discours martiaux qu'il tenait à ce moment-là? Là, on n'a pas ça. On dit c'est des liesses de joie. Juste... À l'époque, c'était la guerre et on sortait de blindés. Il n'y a pas besoin de crier. Et après, on parle de Stéphane Ravier. Et après, on vous parlera de Stéphane Ravier qui, lui, veut interdire carrément les drapeaux du Maroc à Marseille ce soir. Il est quand même assez sibyllin qu'on nous accuse d'avoir une obsession identitaire, alors même que ceux qui défilent avec des drapeaux
en bandoulière et leur identité en bandoulière, c'est un peu le foot. Hein, c'est certainement pas les Français. Ceux qui étaient sur les Champs-Élysées. Ça, au Qatar, il y a. Ceux qui étaient sur les Champs-Élysées hier avec une nuée de drapeaux, et pas seulement d'ailleurs des drapeaux marocains, il y avait des drapeaux maghrébins et même des drapeaux palestiniens. Ce sont eux qui sont des obsessions identitaires, pas dans les Français. Tout le monde se balade avec son drapeau, admettez-le. Avant-hier, sur les Champs-Élysées, il y avait très peu de drapeaux français. Donc ne venez pas accuser les Français d'avoir une obsession identitaire. Mais il y a des Français marocains. Et quand bien même les Français auraient une obsession identitaire, pour le coup, là, dans 99% des cas, c'est une obsession bon enfant et joyeuse. C'est pas une obsession où on démonte du flic, où on vandalise les mobilier. Mais ça, c'est très minoritaire en ce qui concerne le Maroc. La deuxième chose, est-ce que je terminerai là-dessus, c'est que les Champs-Élysées, dans toute notre histoire, sont un grand symbole. À chaque fois que nous avons eu à essuyer des défaites ou à fêter des victoires, ça s'est passé sur les Champs-Élysées. Quand les Cosaques et l'armée prussienne ont envahi Paris en 1814, donc 1815, c'est sur les Champs-Élysées qu'ils ont démontré leur force. Le général de Gaulle a défilé sur les Champs-Élysées. Le fait que les Champs-Élysées soient pavoisées d'une marée humaine portant des drapeaux autres que français, si ce symbole, indépendamment des problématiques sécuritaires, si ce symbole visuel ne vous dérange pas, c'est grave, monsieur Calfon. Cette ferveur nationale qui peut s'exprimer de cœur, hein, pas forcément. Et c'est le principe même des supporters de football. Donc, par exemple, ma compagne, elle ne comprend pas. Et quand je lui dis, je passe pas la soirée, je regarde la France, elle ne comprend pas. Non, mais ça, c'est différent, c'est pas pareil. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que quand ce sont des phénomènes minoritaires, quand vous avez des groupes de supporters avec des drapeaux, pas de problème. Quand ça devient une majorité, quand la masse est visuellement imposante, là, ça devient c'est un problème. C'est compliqué ça devient un problème sur la majorité identitaire. De la minorité. Et puis surtout, pourquoi, en fait, Ravier, il a tort de le dire, parce que normalement, on ne devrait pas avoir à dire ça. Est-ce que vous croyez qu'au Maroc, en Algérie, par exemple, ils interdisent le drapeau français? Mais donc, Ludovic Toro, c'est le début de la dictature. On parle du verbe aimer, d'accord? Donc il y a quelque chose de charnel, il y a quelque chose de vernaculaire, il y a quelque chose de spirituel dans un amour. Bien sûr que personne, on ne peut pas obliger quelqu'un à aimer, c'est même contradictoire. C'est une forme d'allégeance et d'adhésion qui doit être spontanée quelque part. Vous comprenez? Moi, je peux en parler parce que moi, en fait, je n'étais pas français. Je suis devenu français par l'assimilation et j'aime la France parce que j'ai un parcours et une trajectoire à l'intérieur de ce pays qui m'a fait l'aimer. Donc moi j'aime la France, je peux pas le rationaliser, je peux pas vous dire pourquoi. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que moi je m'étonne toujours de toutes ces belles âmes de gauche, d'extrême gauche et des progressistes qui trouvent sublime toutes les formes d'identification et d'identité nationale partout dans le monde, sauf lorsque c'est français. C'est-à-dire qu'ils vont admirer le patriotisme français, qu'ils vont avoir la larme à l'œil quand ils vont voir des nuées de drapeaux marocains en disant « Waouh, c'est beau le patriotisme, c'est beau cette allégeance à leur pays », mais lorsque c'est des drapeaux français, ça devient subitement d'extrême droite, de la haine, du prochain, etc. Moi, je conclurai en vous disant que l'amour du prochain n'est pas conditionné par la haine de soi. C'est même un amour malsain. Alors, réponse rapide de Mathias Leboeuf. Alors, Jean-Michel, quel est votre regard là-dessus? Moi, je crois que la double nationalité en tant que telle ne pose pas problème. Maintenant, si vous l'avez, vous ? Non. Vous êtes français ? Oui, je suis français. Mais par contre, si vous voulez, le problème, c'est que lorsqu'on a une nationalité avec laquelle on attaque l'autre nationalité, là, ça devient problème. C'est-à-dire, en fait, c'est le conflit de loyauté que peut générer la exactement. Double nationalité. Je crois que c'est ce qui est évoqué. Par exemple, je connais des tas d'amis libanais qui ont la nationalité libanaise, qui ont la nationalité française. Ça pose aucun problème. Je connais beaucoup d'amis israéliens qui ont la nationalité israélienne, la nationalité française. Ça pose aucun problème. Donc pour vous, il y a certaines doubles nationalités qui posent problème. Oui, parce lesquelles? Par exemple, lorsque vous avez des nationalités comme la nationalité algérienne et que vous avez en Algérie une rente mémorielle contre la France et que vous avez en France des gens qui ont été biberonnés à la haine de la France de par l'histoire coloniale, etc., eh bien vous vous trouvez à être dans une espèce de cul-de-sac de nationalité où vous ne savez pas quoi choisir, ou en tout cas, si vous vous sentez une allégeance pour une nationalité, ça entraîne automatiquement la haine de l'autre. Donc franco-algérien, c'est un problème pour vous. Franco-algérien, toutes les anciennes colonies françaises, puisque vous avez effectivement cette histoire coloniale qui a généré pas mal de conflits et pas mal de rancœurs et de rancunes. Il faudrait leur demander de choisir. En tout cas, on peut se poser la question. Ouais, non, mais c'est ça, c'est on peut se poser la question. Mais la double nationalité, de manière générale,
franco-marocain, ça pose problème pour vous ? Ça peut provoquer un peu. Attendez, la preuve, quand vous avez effectivement. Bah, la preuve, non. Pour l'instant, il n'y a pas de preuve que ça pose problème. Non, mais je veux dire, ça peut poser un certain nombre de problèmes lorsque vous avez. Bah, lorsque vous avez des gens qui défilent avec des drapeaux marocains et qui chargent les policiers avec des drapeaux marocains sur le dos, ça pose un problème. Alors que ces gens-là sont français. Jean-Michel et François Calfon. Si vous voulez, le problème. Pourquoi la double nationalité aujourd'hui pose un problème qu'elle ne posait pas il y a 40 ou 50 ans ? C'est parce qu'entre-temps, la France aussi, il faut bien le dire, en tout cas un certain nombre de pouvoirs français ont eu une politique de naturalisation folle. C'est-à-dire cet article du Code civil qui dit qu'il faut effectivement que la nationalité soit le couronnement d'un parcours d'assimilation a totalement été abandonné. Donc on a distribué la nationalité française à partir des années 80 à tort et à travers, et on se retrouve aujourd'hui avec des gens qui peuvent être administrativement français, mais dont le cœur est drapé avec d'autres couleurs. Allez, François, rapidement, après on va parler.